c'est pour ça qu'il n'y a pas une idée qui n'existe pas, en fait, que, mais qui va disparaître dans la mémoire des gens, parce que... Il n'y a aucune PC, il n'y a pas de PC, il n'y a rien. Tiens, bah tiens, tourne-toi, femme. Tiens, vas-y, je suis en train de main. Ah non, arrête. Il est sous, il attend. Il a le bruit, là, c'est la route. Par contre, j'ai encore... Je le cache... J'ai plus d'origine. Le meilleur d'origine. Avec le. Il y a plus de temps. C'est impressionnant. Hop. Quand tu vois, je sais pas, j'attends. Il y aura le vieux con, il va. Là, je vise là-bas, il tire à droite. Ouais, la direction à gauche, ça marche pas, il faut que je démonte le truc. Mais j'ose pas trop, en fait. Il reste 16 secondes. J'ai pas eu le temps, mais j'ose pas trop y toucher. Alors,
Hello, this will be an attempted walkthrough of the Colossal Cave Adventure. I could pick up everything, but since I have a limited number of spaces in my inventory, I'm just going to take a few things, because I have to come back to this room often anyway. And you'll find out why later. If you'll like killing you. Okay, now these mazes are really confusing. There's two of them in this, and in fact, the way that the directions work. Now, this is one of the longest descriptions in the whole game. Quite interesting to read it. Except that you can't really do anything here. I think I'm going to turn off my lamp to save energy. Actually, it's probably almost running out. Bye.